On a un chien et il a un problème qui nous gêne. Cette espèce de traînée marron qui sort de l'intérieur de l'œil, autour du nez, et qui laisse cette espèce de trace, on dirait que c'est sale, et ça lui donne un regard triste, et je voudrais régler ça. Alors, on va essayer de découvrir de quoi il s'agit, qu'est-ce que cause ça, et comment on peut régler. Tout au long de cette vidéo. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto et celle-ci est ma chaîne L'Ami des Bêtes. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer de quoi il s'agit, cette espèce de traînée qui les gens ont la mauvaise habitude d'appeler les larmes acides, qui d'ailleurs d'acides n'ont rien. Le pH de la larme est d'environ 7,3, légèrement alcalin. Et à titre d'exemple, l'eau potable à Paris, un pH de 7,7, l'eau de l'aquarium d'eau de mer à 8,3, l'eau de la mer à 8,3, l'eau dans la rivière, dans les rivières amazoniennes au Brésil a un pH de 6,5, et tout ça n'est pas grave. Les choses deviennent graves à moins de 5 ou à plus de 8, 9, comme par exemple l'ammoniac qui a un pH supérieur à 9, ou l'acide acétique, le vinaigre, qui a un pH inférieur à 3, acide chlorhydrique 1,5 par exemple. Ce n'est pas le caractère éventuellement acide de la larme qui cause le problème. Et d'ailleurs, la larme n'est pas acide. De quoi s'agit-il? Or, c'est lié au chien lui-même. Les chiens ont subi toute une série d'évolutions liées à la sélection, et les chiens, spécialement les chiens qui sont brachycéphales et qui ont les yeux qui sont plus globuleux, d'une façon générale, les yeux ont besoin de larmes pour la lubrification. Et ces larmes, elles sont produites et elles sont écoulées par le canal lacrymal, le duct lacrymal, qui commence à l'intérieur de l'œil, ça passe sous les corps histologiques de la face, et ça vient déboucher dans le museau du chien, à l'intérieur. C'est d'ailleurs à cause de ça que le chien a le museau humide, c'est son l'excès de larmes qui s'écoule et qui viennent déboucher au bout du nez, si on peut parler comme ça. Donc, pour un chien qui a les yeux plus grands, ils ont aussi besoin de plus de production de larmes pour garder la lubrification idéale. Et cet excès de larmes qui s'écoulerait par le duct lacrymal finit par déborder et sortir par l'intérieur de l'œil. Ils finissent par se déposer dans les poils sous les yeux. Or, dans la composition même de la larme, il y a des substances ferreuses, comme la lactoférine par exemple, et ces substances ferreuses finissent par s'oxyder, spécialement en action en présence des bactéries opportunistes qui profitent de l'humidité qui est causée par la présence de ces larmes et causent l'oxydation de ce fer, créant cette couleur marron qui est caractéristique de ce problème. Donc, il y a une conjonction de trois facteurs qui causent ce problème. Le premier facteur est la race du chien. Un chien primitif a ce canal lacrymal qui est en ligne droite. Il écoule l'excès de larmes avec beaucoup plus de facilité. Les yeux globuleux aussi sont en cause, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir des poussières qui tombent et des petites choses qui gênent et qui causent la production accrue de larmes. Et enfin, la composition de la larme avec ces produits ferreux en action avec les cultures bactériennes opportunistes au long de ce chemin humide, humidifié par les larmes. Ça, c'est la cause du problème. Alors, comment le régler, ce problème ? On a déjà beaucoup parlé de fournisseurs de nourriture, que la faute aurait pu être de la ration industrielle par rapport à la naturelle, que la ration industrielle cause plus ce genre de problème. Et une marque, Science Diet, a créé une ration spéciale pour éviter
pour diminuer en tout cas ce genre de problème. Ok, ça peut aider parce qu'on est à la fin de tout compte fait, on est ce qu'on mange. On peut agir à plusieurs niveaux en directionnant et en contrôlant la composition de ce qu'on mange, ça c'est sûr. Il y a aussi beaucoup de produits qui ont été lancés comme des produits magiques qui régleraient les problèmes immédiatement. Je ne crois pas du tout à ce genre de situation. Je crois que ces produits peuvent aider à éclaircir un petit peu les poils qui sont déjà marrons. Aussi, si vous coupez des poils, d'autres poils pousseront, ils n'auront pas cette couleur dans la mesure où vous réglez le problème. Et je crois que ces produits, ils marchent bien surtout parce qu'ils sont préconisés à être utilisés de façon intense. Donc, comme vous utilisez intensément, vous passez deux fois par jour en faisant très attention pour bien frotter, bien utiliser les produits, et accessoirement, vous hygiénisez le local. Ces produits qui ont un aspect désinfectant sont fréquemment des peroxydes de benzoyle ou peroxyde d'oxygène, qui est l'oxygéné, hein, tout compte fait, vous pouvez avoir une action éclaircissante de ce produit. Mais le plus important, c'est enlever l'excès de larmes qui sont dans le local et endiguer les problèmes de culture bactérienne opportuniste. Une fois que vous faites ça avec une régularité, vous n'avez plus le problème. Et donc ça, pour moi, c'est la meilleure façon de régler ce problème de ce qu'on appelle larme acide. Je vous demande votre like, je vous demande de vous inscrire dans notre chaîne de façon à la rendre forte et je vous remercie de votre appui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.